plonger les coques dans beaucoup d'eau froide, saler, bien remuer et réserver les coques dans l'eau un minimum d'une demi-heure. Mettre à fondre le beurre sans coloration, ajouter les échalotes, les faire suer pendant 3 minutes dans un large poêlon. Ça, c'est une précaution importante. Lorsqu'on fait des moules et des coques, il faut toujours choisir un récipient très évasé. Ajouter l'ail et le faire suer pendant 3 minutes. Verser le vin blanc sec, porter à ébullition et cuire pendant 2 minutes à frémissement. Rincer les coques une seconde fois. Et là, il ne faut plus les remuer, surtout. Surtout. Là. Comme les moules, c'est pareil. Hein. Voilà. On les retire délicatement avec les doigts et on les remet dans de l'eau, si possible encore salée. Puis, égoutter les coques. Verser les coques dans la marinière, porter à ébullition à couvert jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Retirer une coquille sur deux et les réserver filmées. Passer la marinière dans une passoire. Et on va pas dans le fond, on prend en surface. D'ailleurs, vous allez voir apparaître dans le fond. Malgré toutes les précautions qu'on a prises pour laver, tout sable qui reste. C'est le côté désagréable des coques. Portez à ébullition. Incorporez le beurre bien froid coupé en morceaux. Réduire le feu et poivrer. Réchauffez les coques sur feu doux. Les napper de la marinière encore bien chaude et les parsemer de persil plat concassé juste avant de les déguster. Marinière de coque au persil plat. Pour 4 personnes, 2 litres de coque, 175 g de beurre, 6 échalotes, 1 gousse d'ail, 1 décilitre 5 de vin blanc sec, 2 cuillères à soupe de persil plat, de la fleur de sel et du poivre du moulin.